J'y suis. Porte. YouTube. On va retourner aux portes, on va aller chercher un bon bouclier. Après, ça serait bien que... Alors, je sais pas, au niveau des armes... Si on a moyen de récupérer un truc mieux que ça, j'en sais rien du tout. Bah, sinon, tu sais ce que je vais faire, je vais changer d'arme. L'autre, je pouvais l'apporter à demain. On va aller chercher un bon bouclier, ça va être pas mal, je pense. Ma faute, c'est que j'aurais dû peut-être augmenter un peu là. On a oublié de récupérer nos runes. Ah bah oui, mais bon... Bah ouais, mais du coup, faut aller les chercher sur le boss. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on va partir, à l'ouest. On va prendre cette grande porte. Je vais changer d'équipement, déjà de base. Fais tes petits frichetis, mon Franck. Alors, attends. Celle-ci. Comment on voit les coups, en fait, les dégâts? Ils sont du pain béni pour les développeurs. Il suffit de créer un boss et tu les occupes toute une année. À l'ouest du feu de grâce du commencement sur la plage pour un bon bouclier. Ah, ok, Jérôme. Bon, on va aller chercher ça. En plus, on va faire la quête de Bok. Ça va être plus à notre niveau, ça, Franck. Qu'est-ce t'en dis? La quête de quoi? La quête de Bok. Tu te souviens le mec tout moisi qu'on a trouvé dans le buisson? Ah, oui. Ouais. Alors, ça va se passer par ici. Viens avec moi. Et bonsoir à tous. Let's go. On va tracer là tout droit. Et on va trouver un marchand. Je l'ai pas raté. Il m'a tapé. Je crois qu'il était pour moi en vrai. Ce coup-là. De quoi? Ouais. Ouais, je crois qu'il était pour moi. Mais c'est pas juste. Parce que moi je ne suis que amour, luxe, calme et volupté. Vous avez fait un RSR, c'est quoi un RSR? Un repli stratégique rapide. Oui, c'est ça. On fait un repli matériel. En fait, on a des problèmes d'équipement. Oh, mais attends, en plus, ça va permettre de... Oh oui, ça va permettre à toi de débloquer un endroit qui va être important pour ta spécialisation maître des incantations draconiques. Tu as dit que j'étais prêtre. Oui, mais c'est un prêtre des incantations draconiques. Va falloir qu'on tue lui pour l'XP. Est-ce que tu te sens d'attaque? Oui. Bon, ça va nous faire en plus un entraînement. Oui, surtout que en plus j'ai changé d'arme, donc je voudrais l'essayer différemment, quoi. Voilà, j'ai raté. Alors pour lui, des coups puissants ou des coups sautés au niveau de ses pieds. D'accord. Voilà, donc, tu fais pas comme je viens de faire. Ah mais carrément les chiens là. Ah oui, carrément. Ah, j'ai aucune forme de respect, hein, je te l'annonce. Donc il va falloir qu'on trouve un moyen de te les augmenter, tes chiens. Et ben voilà. Yes. On a fait 1000 d'XP. Hein. J'ai pas l'impression de faire des gros dégâts, en fait. T'as pris quoi comme arme? Celle-ci. Ouais, Il va falloir qu'on trouve... on va aller chercher de quoi déjà avoir des popos en plus. Et on va également... Qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher aussi? Déjà, on va aller chercher un bouclier, viens. On va en profiter pour... Attends, il y a mes chiens. Qu'est-ce que j'en fais? Bah, tu les laisses là, hein. Mais ils sont tout seuls, les pauvres. Bah, ils vont te suivre, t'inquiète pas. Putain, t'as invoqué le chien pour un trash mob, j'hallucine. Ah oui, non, mais moi, j'ai aucune forme de respect, hein. Oh, là-bas, il va y avoir un item à récupérer. Ah, mais ils suivent pas les toutous? Non. Ah, si, ils suivent. Ah, ça, ouais, mais cool. Ils vont disparaître à un moment. Attends, il y a un truc à faire, là. Regarde. Ouais. Là. Qu'est-ce que tu fais? Raté, il faut... Tape ce truc-là. Quel truc? Bah, le truc au sol, tu le vois pas briller, là? Non, je vois rien. Ah, si, je vois un truc, maintenant. Il faut le taper. Ça va être très chiant. Le mieux, c'est que tu fasses une attaque chargée d'un côté et en glissant, ta lame va le toucher normalement. D'accord. Ne cherche pas à le suivre. Ah. Oh bah, je l'ai eu. Bah, tu vois. Et regarde, c'est une nouvelle cendre pour mettre sur ton épée si tu veux tester des nouvelles capacités. Voilà, ça c'était un pingouin. Et alors, attends, de mémoire, voilà, il y a un mec là, on peut le tuer, je sais plus ce que ça fait, mais je crois que c'est bien. Et t'es où? Ah, t'es passé derrière, ok. Regarde. Je vais lui faire une attaque de ninja. T'es prêt? Cligne pas des yeux. Hein. Par contre, une fois qu'il va se relever, il va falloir qu'on le tape vite. Hein. Pourquoi? Parce que c'est un costaud. Oh, putain, non, regarde. Tu l'as avec l'attaque, ça. Ok, j'ai rien dit.
fais gaffe, il est colère. Ah oui, il est un peu chafouin, j'ai l'impression. Voilà. Ouais, c'est bon. Et c'était tourné, c'était bon. Il avait alors, et maintenant ? Voilà, et c'était vachement bien. T'as vu tranche ça ? De viande blanche ? Ouais. Ah ouais, c'est sûr qu'on a risqué notre vie pour de la tranche de viande. Et... honnêtement. Honnêtement, non, c'est mais, très bien. Ah non, mais ça valait le coup, hein. Ah, on peut le faire à l'arc, ce truc-là. C'est vrai qu'à l'arc, ça peut être pas mal, hein. Bah écoute, c'est tout droit, de mémoire. Je te suis. Attends, il y a un... j'avais jamais fait gaffe, il y avait un fantôme ici. Non, c'est mon loup. Ah d'accord. Mais qu'est-ce qu'il fout là ? Qu'est-ce que vous foutez là ? Vous êtes pas mort ? Bah non. Alors, regarde sur la plage, tu vois ? Regarde. Est-ce que tu vois les bêtes ? Je vois surtout la grosse qui est là-bas. Ouais, voilà. Bah ne t'approche pas de là. Pourquoi ? Bah tu veux aller voir ? Bah non, c'est qu'il y a une raison. Bah, est ça, si dangereuse que ça. Ça met des patates de forain. Oui, oh. Alors bah... que ça, tu vois, ça c'est bon, ça on peut. Quoi, ça ? Ouais. Ah, attends, il y a le marchand avant à faire. Ah, et il y a les clodos là. Attends, on va s'occuper des clodos. Ah bah il y a les clodettes. J'adore être à cheval et pas eux. Bon, ça m'empêche pas d'en prendre plein la gueule, mais je trouve ça festif, moi. Non, et puis surtout, il faut garder le sens du festif. Putain, on a tellement pas de respect. Ah, attends, le marchand est pas là, et regarde, la quête de boxe, ça sera dans cette grotte, ici. Franck demande pour aller voir Marguerite. C'est qui Marguerite ? Ah, c'est le boss de zone. C'est le boss, on va considérer que c'est le premier vrai boss du jeu. Tu vois, celui sur lequel on galère, là ? Ouais. C'est pas un vrai boss. D'accord. Alors lui, normalement, il doit vendre un bon bouclier. On va vérifier. De quoi avez-vous besoin ? D'accord. Ah mais non, il est pourri celui-là. Il y en a un mieux, les gens. Il y en a un mieux que ça. Attends, il y a une épée large. Ouais. Ah oui, mais elle vaut 1800. Ouais. Donc bon... Allez, ouais, ça, c'est quoi ? Un manuel d'armurier étoffe le répertoire d'artisanat. Ça vaut peut-être le coup, ça. Ouais, ça, par contre, ça vaut le coup. Attends, tu peux voir ce que ça fait ? Les flèches en eau s'enflammer, les flèches en eau... Ouais, ça, c'est bien. Les flèches en eau s'enflammer, c'est bien. Et les boulettes après... antidote aussi. Ouais, ça c'est super. Faut le prendre. Note trollfouisseur. Note concernant des informations concises. Ouais. Oh, un nouvel arc ? Ouais, mais c'est un arc court. Et ça c'est quoi ? Des boulettes ? Oh, t'as vu, il y a des boulettes ? Ouais, des c'est des boulettes anti-poison. C'est des falafels en fait. Bon, allez, c'est bon. On va aller faire la quête de box. Ça devrait être à notre portée. À terme, Jack utilisera la porte. Alors, vous êtes moqueur parce que tout à l'heure, vous souvenez, j'ai utilisé mon pot. Ça a été parfaitement inefficace. Et on était très content. C'est Magritte, pas Marguerite. Ouais, Magritte, bah attends qu'on arrive dessus, tu vas voir. On va passer la soirée dessus, je pense. Oui, mais moi, j'aime bien Marguerite. Oh, lumière. Alors, quête de bord. Je suppose qu'il faut faire comme la dernière fois, c'est-à-dire être gentil. Prudent. Ah bah vous êtes là, vous. Pourquoi ça fait... Ah, regarde, il y a lui, là, il s'est fait taper. Tu te souviens ? Ah oui. Vas-y, tu peux lui parler. Parler ou je lui parle ? Je vais lui parler en même temps que toi, mais je te laisse faire la lecture. Oh, que faites-vous ici ? Vous devez immédiatement quitter cet endroit. Ils vont se précipiter ici et vous battre à mort. Oh, on s'est fait tabasser à mort 5-6 fois, donc ça devrait aller. Non, lui parle pas de ça. Lui parle pas de ça. Vous finirez comme moi. Non, vous inquiétez pas, on va les tuer, on a l'habitude. Ok. Attends. Viens toucher ma grâce. J'arrive. Je vais te poser la main sur ta grâce. Bon. Ok. Voyons voir un peu le tunnel. Bon, pour l'instant, là-dedans, normalement, je crois que c'est des clodos. Je pense que c'est à notre portée, celui-là. Celui-là, on va y arriver, je pense. Attends. C'est qui croit, en plus. Oh. Oh. Ninja. Ninja. Ok. Bah on descend. Ouais. Pourquoi t'es accroupi alors que t'as une torche ? Bah Arrête de taper sur votre... dis que quelque part... Petit bâtard. J'ai envie de dire pourquoi pas. Ah, on a trouvé des pierres précieuses ? Ouais. Et j'ai trouvé un fauchon. Arc-en-ciel. D'accord. J'ai trouvé un fauchon. Vous avez oublié la paire de la petite fille dans le château d'avant. Non mais on y reviendra au château. On va réfléchir à tout ça, tête reposée. Ah, je l'avais pas verrouillé. Du coup, je me suis fait taper dans le... Oh, attends. Je prends celui de droite. Et celui de gauche. Voilà, ça, c'est plus à notre portée, je trouve.
C'est-à-dire que oui, là, il faut deux coups pour les tuer, donc ça va. Ouais. Œuf de pieuvre terrestre, d'accord. Ah, t'as dû voir, là, il y a une marque. Attends. Marque d'invocation dorée. Ah, c'est le vieux. Attends, je vais te montrer un truc. Une mécanique. En fait, t'as des PNJ qui peuvent t'aider des fois. Et après, ouais. Je pense qu'on les reverra. Alors, je me souviens de lui, et avec le recul, je crois qu'en fait, je l'ai tué, cet abruti. Il est où? Ah, le voilà, regarde. Regarde. Oh, comment t'as fait ça? Il est vachement bien équipé. Attends, je peux pas passer, t'es devant. Pardon, excuse-moi. Attends, il regarde, il va nous suivre, parce que là-dedans, il va y avoir un boss. Oh, qu'est-ce qui se passe? Il est resté bloqué de l'autre côté, ma poule. Ah, attends, il faut que je traverse. Jack? Oui. Ah oui, j'étais resté de l'autre côté, en fait. Il va arriver. Alors, attention, attends. Il y a des ennemis. Je vais les attirer. T'es prêt? Non. Tu l'es. Attention, il y a un boss. Attaque. D'accord. Mais méfie-toi quand même. Oh, il m'a tapé. Vas-y, il vanne. Oh. Oh, il fait de la lumière. Faudrait que tu fasses de la lumière comme ça, Franck. Ça nous aiderait vachement pour la suite. Ouais. Attends, il y en a un deuxième. Je sais pas où il est. Il est où? Je sais pas. C'est quoi ce qui brille par terre? Ah, il est là. Luciole argentée. Attends. D'accord. Le voilà, Franck. Où ça? Là, devant. Bah non, c'est des connards. Ouais, il y a un gros. Oui, il y a un petit. Il y a des petits connards et un gros. Fais gaffe. Il est agressif. Agressif. Je crois qu'il en a après toi. Oh merde, je me suis trompé de bouton. Attends. Attends, deux secondes, voilà, c'est bon. Mais. Putain, la portée. Pour l'instant, je touche pas une bille. C'est bon, on a réussi. Attends, le mob. C'est bon, j'y suis. Aiguille de couture. D'accord. Aiguille de couture. Et ça, c'est la quête de Bok, en fait. Bonjour, monsieur. Pourquoi t'as fait ça? Le pauvre homme, il a rien demandé. Pardonnez-leur, il fait pas ce qu'il faut. Bon, vous voyez, on a réussi sans les chiens, en plus. Tu vois, t'as pas invoqué tes chiens. Ok, on a fait la quête de Bok. Alors par contre, avant, parce que toi, tu veux devenir un mage... Enfin, tu veux devenir un lanceur de sorts d'invocation, c'est ça? Est-ce que tu voudrais cracher du feu comme un dragon? Non? Proche, ouais. Ça sympa, non? Ouais, bah je pense. De toute façon, moi, j'ai testé... Ça m'a été utile à un moment. Ça m'a même été très utile à un moment. Ça m'a permis de tuer un boss qui était très difficile de la façon la plus fourbe qui puisse exister, je pense. D'accord. Après, si tu n'as rien contre la fourberie... Tu connais ma réponse. Oui. Je pense que on peut sans difficulté dire qu'il y aura recours à la fourberie. Bon, let's go. Alors, parce qu'on là, on va... En fait, je vais t'aider à découvrir un endroit. Déjà, t'as vu comment c'est planqué? Affirmatif. Alors, si tu notes, on est arrivé en face. Tu vois, la plage où on est rentré, elle est juste en face de nous. Tu vois? Et nous, on est arrivé ici. Et ici, en fait, il y avait une petite île qu'on voyait quand on était en face. Et en fait, elle est juste là. Alors, attends, il y a la cheval, hein. Attends. Mais on va pas fouiller de l'autre côté? Si, on va y retourner après, t'inquiète pas. Mais là, ce truc-là, ça va beaucoup t'intéresser, toi. Bon, déjà, parce qu'il y a un feu de camp. Donc ça nous permettra de... Tu crois qu'on peut passer des points ou... Est-ce qu'on a fait de l'XP, là? 2500, je suis pas sûr qu'on puisse passer un niveau, hein. Non. On peut se gratter. Ouais, non. Moi, il me faut 3000, maintenant. Et alors, regarde à l'intérieur, ici. Ça va beaucoup te plaire. C'est l'église de la communion draconique. Et sur la stèle qui se trouve ici... Ouais. En fait, tu peux acheter des sorts de dragons. Donc là, par exemple, tu peux... Alors, pour l'instant, on peut pas. Hein. Après, ouais. Ça te permet de savoir les stats qu'il va te falloir. Tu vois, le premier, les flammes draconiques, il faut 15 en foi et 12 en ésotérisme pour le lancer. Le deuxième, 17 en foi, 13 en ésotérisme. Et enfin, 24 en foi, 16 en ésotérisme. Oui, donc... mais il faut lui vendre quoi? Parce que je vois qu'on n'a pas du tout ce qu'il faut. Ouais, alors est-ce que tu veux après qu'on essaie de récupérer un cœur de dragon?
Attends, parce que si je te pose la question à toi, tu vas dire non. Le chat, chez Franck et chez moi, est-ce que vous souhaitez que je montre à Franck comment on obtient un cœur de dragon? Non. Tu vois, ils ont tous répondu. Ils ont tous répondu non. Est-ce que quelqu'un chez moi peut aller vérifier dans le chat de Franck si les gens ont bien répondu non? Oh, la mauvaise foi. Tu vois, regarde, ils font non, non. Chez moi, à l'unanimité, non. C'est oui. Hein. On ne veut pas de agile. D'accord, agile ou agile, je sais pas comment ça se présente. Tu vois, non, non. On ne veut pas le dragonner, me dit Samuel, tu vois, en plus. Alors moi, horrible. C'est très bizarre parce que j'ai que des oui. Hein. Bah tu vois, par exemple, Patty, honnêtement, écoute, je peux pas te faire un screenshot. Non, Patty, non. Patty, ça compte pas. Alors, tu vas afficher ta carte, on va se TP au site de grâce qui s'appelle Grotte Marine. Ah, j'aime bien le nom. C'est là où il y a Bok, on va lui rendre sa quête. Parce que là, on a quand même réussi à accomplir quelque chose, c'est pas mal. Ah, c'était tout? Oui, oui, c'était tout. Allez, c'est la quête. T'es censé la trouver dès le départ, celle-ci. Il est où, l'autre con? Là, tu vois, il y en a même certains, ils m'ont marqué. J'ai pas compris la question, tu vois, donc on en est à ce niveau. Vas-y, je te laisse faire la lecture. Oh! Ah non, pardon. Oh, que faites-vous ici? Non, vous devez immédiatement quitter cet endroit, ils vont se précipiter. Ah oui, non, mais c'est le même dialogue. Et par contre, normalement, t'as l'option. Donner l'aiguille de couture. Donc, je te laisse lui donner et je vais faire la lecture. Attendez, voilà, c'est fait. C'est bien ce que je crois. Mon aiguille à couture, vous l'avez retrouvée pour moi. Pas de soucis, mec. Tiens. Et t'en as deux, en plus. T'en as, ouais, et en plus, il en a deux. Et lui, il va nous faire des fringues. Enfin, il va nous faire des fringues. Il sert à rien, lui, hein, mais bon. Ah, ça y est, le dialogue arrive. Ça a mis du temps. Qu'est-ce qui vous a poussé à accomplir un tel exploit? En fait, il y a un boss là qui nous a pété la gueule, on s'est dit on va essayer d'accomplir quelque chose. Et ça, on s'était dit que c'était à notre portée. Ouais, il est content. Ouais, sa chère maman, elle devait être couturière aussi. J'imagine que j'ai dû nouer une raison de vivre maintenant. Ouais, non, mais t'enflamme pas, c'est juste une aiguille, Bok. Ils sont un peu dans l'exagération, hein. Je trouve qu'ils sont dans la surréaction. On peut lui reparler ou pas? Ouais. Merci. C'est bien aimable de votre part. J'ai toujours eu envie de devenir acteur porno comme maman. Je vois pas le rapport avec l'aiguille de couture. J'imagine que j'ai de nouveau une raison de vivre maintenant. Ils sont bizarres les PNJ quand même. Hein. Oh, celui-là est un des plus normaux qui existe. Oui, non, il redit la même chose, ok. Tu viens de tuer Bok? Oui. J'ai pas fait exprès. C'est pas grave. C'est pas grave, de toute façon, on avait pas trop besoin de lui. Merde, je suis vraiment confus. Putain, cette incompétence. Retenez de porte, toi, aux portes. Alors, avant, les gens, on va aller chercher un bon bouclier. Si je te dis que je suis désolé, tu me crois? Oui, je te crois. Je me suis TP au site des portes. Attends, le site des portes. Voilà, bon, Franck vient de tuer Bok. Tout se passe bien. Je veux dire, là, pour l'instant, on est vraiment sur une ligne droite vers le succès. Hein. Je n'ai pas fait exprès, je me suis bourré de touches. Je vais faire une parade. Alors sur certains PNJ, je te cache pas, il faudra que tu fasses attention à pas te tromper de touche, parce que sinon ils vont nous turbo-vaporiser la gueule. Hein. Oui, mais bon, lui, en vrai, j'ai pas fait exprès, mais il était souffreteux, tu vois, c'était oui, la fin. Non, mais très honnêtement, je pense que en termes de santé, c'était pas le top. Alors Franck, je vais te proposer deux choses. On va aller chercher un bon bouclier. Voilà, on va aller chercher un bon bouclier, on va aller chercher de quoi EP notre fiole, avoir des doses en plus. Et je vais te permettre de rencontrer une femme avec laquelle tu pourras faire des câlins. Est-ce que ça t'intéresse? Oui. Et après, je te montrerai comment on obtient un cœur de dragon. Non. C'est un pack, c'est un pack complet. Ah, j'ai pas le choix. Non, pas le choix. Alors, j'ai l'impression de vaguement me faire arnaquer quand même. Hein. Franck, quoi qu'il arrive... Tu me suis et tu ne te retournes pas. D'accord. Ah oui, non, mais en plus, il faut aller vite. C'est si possible. Prends pas le loot. Prends pas le loot. Aïe. T'es toujours là? Oui, oui. Ok. Jacques, je peux poser une question? Oui. Pourquoi nous fuyons rapidement? Regarde derrière toi. Tu veux vraiment que je me retourne? Bah, si t'arrives à te retourner tout en marchant. Alors là, il y a un truc à prendre. Je te vois arriver. Là, sous le petit arbre, il y a une graine dorée. Putain, y a du monde. Bah oui, la petite graine dorée à prendre. Il faut fuir. Oui, fuir. Bah oui, c'est ce que je te dis. Oui, il y a des. C'est quoi? C'est des castors?
Ouais, il y a les... Attends, il y a un truc à prendre ici. Voilà. Hop. Voilà. Alors, les loups vont probablement arriver. Il va falloir les tuer. Ça, c'est facile. Ils arrivent ou pas? Ah, attends. Fiole sacrée. Ouais, on va pouvoir les augmenter. Ajouter une dose. Ouais, ajouter une dose. Ouais. Ça va être très bien, ça. Ça va pas être du luxe. Même si, très honnêtement, sur le boss de tout à l'heure, le temps qui nous manquait, c'était pas tellement pour se soigner. Hein. On a un petit loot à récupérer ici. On va rencontrer un PNJ. Alors, Franck. Mais tu voulais pas parler à Mélina? Ah, on pouvait lui parler? Bah oui, parce qu'il y avait une petite truc dorée. Oh, j'ai pas fait gaffe. Alors là, il y a une petite clé lampière. Ça, okay. Ça devrait être bien. Et alors là, on va rencontrer... Ne le tape pas. Enfin, ne la tape pas. Voilà, il y a une jeune femme en détresse. Femme. Oui. Oh, je ne vais pas la taper, au contraire. Ouais, bah... Tu veux que je lui parle? Le misclic. Bah, on va lui parler tous les deux. Je te laisse faire okay. La lecture. Fais ta plus belle voix. Ils ont tous été greffés. Tous ceux qui m'accompagnaient, ils ont traversé la mer pour moi. Ils se sont battus pour moi. Tout ça pour qu'on leur arrache les bras, les jambes et même la tête. Leurs membres font partie de l'araignée désormais. Ah. Ça a l'air charmant quand même, Jack. Le saviez-vous? Si vous êtes greffé à l'araignée, vous deviendrez un cocon. Et si t'es pas greffé, t'es un gros con. T'es-t-il là? Faut qu'on je le veux. Faut qu'on continue d'y parler. Attends, ok. Vous êtes tout seul, pas vrai? Bah non, il y a Jack à côté. Vous allez au château de Voilourage. C'est l'homme au masque blanc qui vous y envoie, je suppose. À moins que vous ne souhaitiez faire qu'un avec l'araignée. Ouais, mais non. Dans ce cas-là, nous sommes deux. Ah ben non, nous sommes trois. Sauf que je n'ai pas votre courage, j'ai peur, vous savez, de me faire couper les bras. Ou les jambes. Ou la tête. J'aimerais être comme tout le monde, mais je suis terrifié. Il y a encore un dialogue, je crois. Je ne suis qu'une couarde. Ok. Oh, j'ai une idée. Accepteriez-vous d'emporter ce petit être? Ce petit être? Cendre de méduse spirituelle? Ah ah, nouvelle invocation. Cette pauvre chose mérite quelqu'un de plus brave que moi. Et puis vous semblez avoir la faveur des esprits. Ouais, alors ça, c'est pas carré-carré. Hein. J'aurais plaisir. Bon. Je crois qu'on est au bout. Ah, ce fut un plaisir de vous rencontrer. De vous rencontrer, ouais. Pourriez-vous transmettre un message de ma part si vous croisez des cocons au château de Voilourage? Dites-leur qu'ils sont chers à mon cœur et qu'en dépit de ma lâcheté, je suis convaincu que je les rejoindrai bientôt. Je commence à comprendre cette histoire de douleur, vous savez. Ah ben nous, la douleur, on connaît, hein, ça... Ouais, on est assez carré là-dessus. Hein. Ouais. Attends, je regarde s'il y a encore un dialogue. Ouais, alors c'est bon. Ouais, c'est bon, on a épuisé le dialogue. En fait, c'est un truc qui est un peu mal foutu dans le jeu, c'est qu'en fait, quand tu fais des quêtes, t'es vraiment obligé de parler en boucle au PNJ, jusqu'à ce qu'il répète toujours la même chose pour être sûr d'avoir validé la quête en vrai. Et là, par exemple, elle, tu veux pas que je la tue, elle souffre? Non, parce que en fait, c'est elle qui va te permettre d'augmenter la qualité de tes chiens. Ah... Et ouais. Bon, bah, j'ai rien dit. Bah ouais, non, faut pas la tuer. Alors... On se casse? Ouais. Alors maintenant, on va aller chercher un bon bouclier. Alors, il va y avoir de la baston, par contre, pour le bouclier. Bon, oui, je me doutais qu'ils allaient pas... Alors, il faut que je retrouve l'endroit, par contre, parce que le truc, c'est que ça fait une paire de temps que j'étais pas venu, moi, par ici. Fais gaffe, il y a des mecs qui nous ont vus. Attends, je regarde. J'essaie de faire un repérage, j'essaie de voir par où c'est. Ah non, c'était plus bas. Viens avec moi. Pas ici. Mais t'es où? Ah, c'est bon. Tu me suis? Alors, je crois qu'il... Ouais, voilà. Il y a un chemin ici, il faut suivre le chemin. À un moment, on va arriver à un camp, et là, on aura un truc cool. Mais je suis pas inquiet, hein. Non, non, mais t'as raison de pas être inquiet, mais... Faut, voilà, sois pas non plus ultra confiant non plus, tu vois. Alors, le dragon, ça arrive, déjà, on va le faire après. Bon, lui, je mets juste un coup pour le principe, tu vois. Oh, le... Tu t'es fait... Petit bâtard. Oui, mais c'est bon. Arrête d'être distrait aussi. Tiens, viens ici, un site de grâce, on va en profiter pour le prendre. Merci. T'es où? Allez par là. En plus, ça va te permettre de recharger ta vie. Oui, oh, j'avais pas perdu non plus trop, hein. Ouais, ça m'a l'air très bien. Alors ici, il y a un vendeur. Oh! Qui est assez intéressant parce que lui, il va nous vendre des cendres de guerre. Et il y en a une que je vais te conseiller d'acheter tout de suite. Ouais. Ah, il va te demander, est-ce que tu crois encore à la grâce, machin, tout ça?
Bon, moi, très honnêtement, maintenant que j'ai un peu avancé dans le jeu, je peux lui répondre. Je vais essayer, je vais répondre, j'ai des doutes. Cette honnêteté désarmante. Ma foi est inébranlable. Voilà, il dit que je suis un vrai sans éclat. Ouais, bah moi, il m'a dit que j'étais lucide. Incroyable, hein. Alors, apprendre des compétences et celle que je peux te conseiller d'acheter, il y en a deux. Je peux en acheter qu'une, à mon avis. Hein. Ouais, alors t'achètes celle qui s'appelle Aucune compétence. En gros, l'intérêt, c'est que tu vas pouvoir la mettre sur ton bouclier. Octroie des affinités et des compétences à une arme? Ouais, et en fait, t'as celle qui s'appelle Centre de guerre, Aucune compétence. Et elle te permettra de mettre ça sur un bouclier pour éviter qu'il fasse des parades. J'ai pris celle-ci. Et si t'as les moyens, tu peux t'acheter aussi celle parade, justement. C'est si tu veux tester un jour les parades. Moi, vu que je suis très mauvais, je vais pas les prendre. Et les armes d'Ast, d'accord. Après, il y en a plein. Je les connais pas toutes, moi, les cendres de guerre. Parce que, alors, j'ai essayé de les tester au fur et à mesure que je les récupère pour voir ce qu'elles font. Éventuellement, on pourra se faire une petite session test de cendres quand on commencera à en avoir beaucoup. Pour l'instant, on en a pas beaucoup. D'accord. Regardez, les ninjas de l'amour sont magnifiques. Oh, lame tempête utilisable sur les épées, sauf les armes colossales et les lames doubles. Lame tempête, qualité, octroie des affinités et des compétences à une. Ouais, d'accord. Bon, je te fais confiance. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? On part? Ouais, alors là, on va aller chercher un bon bouclier. D'accord. Alors, il va falloir que tu viennes avec moi. Il va falloir qu'on soit furtif, Franck, cette fois. Ah bon? Ouais. Tu sens capable, ça? Ben oui, bien sûr. Bah, je suis le ninja de l'amour. Faut que je retrouve le chemin, mais je le vois plus. Il est où ce putain de chemin? Ah, il est là. On va être vachement attention. Furtif. Furtif. Tu vois en face, regarde. Tu vois? Ben, le campement? Il y a un camp. On va devoir le prendre d'assaut. Alors, moi, ce que je te conseille, c'est plutôt de passer par la gauche. On va contourner l'entrée par le côté, tu vois? Allez, vas-y, je te laisse passer devant. Essaie de pas faire de bruit, Franck. Ouais, j'y comptais pas. Par la gauche. Ah, oui. Oh, putain, ils sont nombreux. Ah, il y avait un piège sonore. Je crois qu'on a attiré du monde, Franck. Non, mais c'est rien, c'est un trou duc. Ouais. Oh, attends, j'ai une idée. Je vais l'attirer. T'es prêt? Oui. Ah bah c'est sûr, ça va attirer les autres. Bah oui, on repasse dans les clochettes. C'est une très très bonne idée, ça. Attention, ils jettent des molotov. C'est des punks. Ah, il est rapide. Ils sont extrêmement rapides. Oh, il y a même un chien. Je déteste les chiens. Oui, et puis celui-là, il est plutôt maus, hein. Mais t'es où? Là. Oh. Aïe. Aïe. Bah tu vois que ça s'est bien passé, tu gueules. Faut qu'on tue les abrutis là. Oh GG. J'ai parfois l'impression qu'on est efficace. J'entends un chien. Non, c'est ça. Ok, on reprend l'infiltration, essaie de pas passer dans les pièges qui font de la musique. Mais je vois rien. Sur la gauche. Faut qu'on contourne. Bah par là alors. Par la pierre. Non, par la pierre derrière là. Ah d'accord. Tu vois, comme ça on va pouvoir les prendre à revers, on va faire une espèce de tenaille à deux. Tu vas voir, ça va être très efficace. Une tenaille à deux? Intéressant. Vas-y mon Franck. Attention, il y a un piège là. Ah, c'est bien, celui-là tu l'as vu. Moi j'avais pas vu les deux, moi. Après avoir... Ah, je crois qu'il... Attends. Vas-y. Bah non, on va le tuer. Oh GG. Alors t'es prêt? Il va falloir qu'on attire du monde. Je vais utiliser l'arc pour les attirer un par un. T'es prêt? D'accord, oui. Et on va les faire ici. Alors. Enfin, flingue pas toutes tes flèches, hein. Moi aussi j'en ai. Hein. Ouais, bon bah voilà, j'ai plus de flèches. Attends, je peux peut-être en crafter. Le coffre est là, le coffre dont on a besoin est juste en face. Vas-y Franck. Ouais, pendant ce temps-là, je vais faire des crafts. Bah pourquoi tu veux t'emmerder à les tuer? On a qu'à aller fouiller le coffre. Flèche en os. Flèche en os enflammée. Oh bah attendez, je vais faire des flèches en os enflammées, c'est vachement mieux. Ouvrir. Je peux en faire 4. Ah. Oh, écu bestial, c'est ça. Oh attention, t'as attiré quelqu'un. Non, on s'en fout. Ouais, mais j'ai pas pris l'écu, moi. Ah bah attends, je vais m'en occuper, vas-y. Fais-moi confiance. Je vais équiper l'écu. Fais gaffe, il est costaud, lui. Hein. Oh, génial, enfin un vrai bouclier. Parfait. Oups. Monsieur, calmez-vous. Ouais, vas-y. Jack, je viens de glisser. T'es mort?
Non, non, je suis tombé, c'est tout. Oh. Oh, petit bâtard. Ah, il prend le dans le dos. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Au secours. Oh, putain. Oh, on fait chier les armes. On sent bien. On sent bien un peu les pédales des fois. Ah bah c'est chiant. C'est exaspérant parce que en vrai je sais ce que je veux faire mais j'arrive pas à retrouver la touche. Oh, je vais crever. Mais attends, je comprends pas. Je l'ai mis sur mais cette arme. Mais qu'est-ce que tu fous. J'arrive pas. Ah bah putain. Bon. Je peux te dire la vérité maintenant? Vas-y. J'ai pas fait exprès. Mais putain, c'est un truc de fou. Bon, on a récupéré, regarde, l'écu, il est trop beau. En plus, regarde, c'est des armoiries normandes, ça. Si tu pouvais arrêter de faire ça. Non, mais attends, j'aimerais bien équiper. Alors, attends. Ok. Pourquoi, moi, il est pas équipé? Ah. Ouais, t'es sûr. Ah, du coup, est-ce que ça protège notre dos s'il est dans le dos, le bouclier? Non. Bon, dommage. Il était là. Yes. On va aller activer un site de grâce juste à côté. Comme ça, ce sera fait. Et ça va te permettre de rencontrer peut-être un nouveau PNJ. Il va falloir que tu tendes l'oreille. Et je vais te laisser faire. D'accord. Bon, parce que lui, il m'a marqué, lui. Non, j'ai toujours pas fini sa quête. Il t'a marqué, ça veut dire qu'il t'a frappé très fort. Ah, là-haut. Ah oui, le saut il vient de là-haut. Yes, bah viens. Bah attends, il y a le... Oh Jack, il y a... Là, c'est bon ça, non? C'est de grâce, c'est une très bonne chose. Non, non, mais le mob en face. Ouais, bah, rien de particulier lui en vrai. Par contre... Mais... Ouais. Il y a le mec qui nous parlait en haut, on va aller le voir parce que il y a sa quête et sa quête est assez drôle. Attends, parce que je voudrais voir les points d'expérience. Ah oui, c'est vrai ça. Alors, vigueur, endurance, putain, en force, je suis vraiment une chèvre. Hein. Ouais, mais tu peux pas monter toutes les compétences. Hein. Ouais. Bon, après, bah, globalement, les compétences ça te sert surtout à pouvoir équiper certaines choses. Après, ouais. Toi, si jamais tu veux utiliser des sorts, et notamment de la foi, il va falloir que tu mettes beaucoup de points en foi. Moi, c'est ce que j'avais fait sur mon premier perso. Mais j'utilisais pas les sorts. Je te présente mon personnage préféré. C'est un pot ? Oui. Tu peux lui parler. Ben, je te laisse faire le dialogue. Les étoiles soient louées, je suis si heureux de vous voir. Je m'appelle Alexander, on me surnomme le point d'acier. Comme vous pouvez le voir, je suis coincé ici, il est trop fort lui. Pourriez-vous m'aider à sortir? Je vais l'aider. Tu peux lui répondre que tu vas l'aider. Oh, merci beaucoup. J'aime bien parce que donnez-moi une bonne tape dans le dos. Avec un objet assez grand, je sortirai aussitôt, croyez-moi. Allez-y franchement, ne vous inquiétez pas, je suis solide. Vraiment? Ouais. Donnez tout ce que vous avez. Vous inquiétez pas, mon pote. Allez. Eh ben voilà. Et on a récupéré un émote. Ah, t'as vu comment j'arrive. Il a la classe, lui? T'as pas récupéré d'émote? Non. Ah. Bah, tu peux lui parler, là? Il est sorti, c'est ça? Oui, ne vous arrêtez pas maintenant, cher ami. Continuez de frapper derrière, n'ayez crainte. Tout ira bien, je suis en porcelaine. Donnez tout ce que je veux, tout ce que... Bon, bah, je vais le taper encore. Hein. Non, non, le tape pas, là. Je sais pas, il me dit taper. Ah ouais, mais parce qu'on est à deux, ça a à moitié bugué, j'ai l'impression. Bah, c'est pas grave, hein. Pour un emote, ça ira, t'inquiète. Bon, on verra. Je ne vais pas faire la tête. Bon, en gros, il dit qu'il va au festival, de la guerre, où tous des grands guerriers vont se retrouver pour aller taper sur le général Radan. D'accord. Le général Jardan, je peux te le dire déjà dès maintenant, tu vas pas aimer. Je vais pas aimer genre beaucoup. Bah tu vois par exemple ta coloscopie au barbelé. T'as pas aimé? Bah là tu vas aimer encore moins. D'accord. On va se TP à la cabane de voile orage. Donc c'est en redescendant. Parce que là on va aller voir, on va aller débloquer l'endroit où on va passer notre temps. Attends, pour nos améliorations. Cabane de voile orage, ça s'appelle.
Et c'est vraiment tout au sud de notre position? C'est complètement à gauche. C'est là où il y a la servante affligée, le PNJ. Grotte du Bosquet, église de Hélette. Plus haut, plus haut. Plus haut. C'est le long de l'espèce de grande muraille là. Et cabane du maître de la guerre? Non. Celle de la côté, celle à gauche. Ouais. Cabane de Valourage, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Moi, je l'aime bien, Radan. Alors, il est très beau, le boss est super stylé. Par contre, ouais. comment il te défonce la gueule? C'est un truc de dingue. C'est un truc de fou. Alors là, on va faire un périple, Franck. Moi, je l'avais fait un peu par accident la première fois. Mais ça m'a permis d'arriver dans une zone assez intéressante parce qu'on va pouvoir augmenter les chiens. Ah, cool. On va pouvoir augmenter un peu plus nos armes. Et puis ça va être notre hub. En fait, souvent entre chaque visite, on repassera par là pour augmenter les armes et tout ça. Donc là, bah t'as juste à me suivre et ça va être un peu long. Je te suis. Pourquoi un peu long? Bah parce que le trajet est un peu long. Moi, tu vois, j'étais parti me balader par là. Ouais. Et tu me connais, je suis quelqu'un qui est toujours très focus dans ce que je fais. Essaie d'éviter les chauves-souris là qui vont nous saouler. Là, il y a ma copine. Tu l'as pas encore vue, elle? Non. Ah tiens, je vais te laisser lui parler. C'est ma copine. Ah, oh, quelle horreur. C'est la vieille. Elle bouge, hein, et tout. Je te laisse faire le dialogue. Moi, j'ai déjà fait la voix de la vieille. Vous, là, je peux les lire. Vos doigts, je vous prie, vos doigts. Montrez vos mains. D'accord. Oh, soyez bénis. Prendrez bien whisky, non, avant de prendre un doigt, non. Dirigez-vous vers la source d'or sans éclat. Traversez Raya Lucaria, le crépuscule des pierres d'éclat, et assemblez les demi-lunes au grand ascenseur. Certes, le pont s'étant effondré, nulle traversée n'est possible, mais quelle importance! Le château de Voilourage se dresse toujours fièrement. Je continue de lui parler? Vous là. Ah oui, non, par contre, elle répète après le dialogue. Je peux les lire. Ouais, c'est le même dialogue. Alors, tu vois le château de Valorage, tu vois la grande muraille qui est derrière, là? Ouais. Et le grande muraille qui se trouve au fond, là? C'est tout ça. Ouais. Donc ça, c'est le donjon de la zone. Il est grand. Quel délicieux. Ah oui, ouais, non, ouais. C'est délicieux. Ouais, il est très très grand. Bah du coup, on va continuer le périple. Alors moi, tu vois, moi, j'étais arrivé ici. Donc, évidemment, ouais. on me met un loot au bout du pont. Évidemment, réflexe normal, j'y vais. Tu peux ramasser les loots quand t'es sur ton cheval, hein. Là, tu peux le prendre, par contre, te pète pas la gueule. Bien sûr. Ensuite, j'étais descendu ici parce que je suis curieux. Attends, parce que je t'ai perdu. Voilà, je t'ai. Alors là, on va avancer. Puis en fait, moi, je m'étais dit, oh, ça sent le truc, tu vois, un peu caché tout ça. Ouais. Alors là, il y a ça, faudrait qu'on arrive à le faire. Bah, sinon, on descend de cheval. Ouais. Je sais pas ce qu'il donne, lui, je me souviens plus. Essaie de pas tomber. Hein. Bah, je vais essayer. Attends, je vais le faire tomber. Ouais. C'est bon. Ah, on a récupéré. Cendre de guerre, mur tempétueux. Ah, ça, une cendre. Oh. Donc, ça, c'est une cendre qu'on met sur un bouclier. Ça peut être sympa sur un bouclard. Bah, ouais, faut le tester. Je l'ai pas testé celui-là. Et alors, du coup, j'avais trouvé un passage secret par là. Alors, je sais pas si c'est legit. Après, j'ai vu les speedrunners passer par là. Donc, je me suis dit, en fait, je suis un speedrunner sans le savoir, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, oui. Et là, du coup, on va se rendre à la zone suivante. Alors là, il y aura des loups. Ne t'occupe pas d'eux. D'accord, donc on fonce. C'est ça. Ok. Je mets de la lumière, comme ça, tu vois quelque chose. Oh, t'inquiète pas, je te collais aux fesses. Hein. Ça va être à gauche, là. Tombe pas. Ça marche. Là, tu passes à côté des loups. En sautant. T'as vu ce que j'ai fait? Ouais, on peut faire les doubles sauts, c'est très stylé. Ouais, j'aime bien parce que je vais sauter sur la tête. Non, on n'est pas là, c'est faux. Vous avez rien vu. Ils peuvent pas nous voir, on est invisible. On est complètement invisible. Ok, voilà, tu vois, il y a un site de grâce juste devant. Ouais. Et alors là, il s'est passé un événement assez singulier quand on est arrivé ici. Quand je suis arrivé la première fois, c'est qu'en fait, Mélanie est venue me parler. Et m'a envoyé dans le hub du jeu. D'accord. Donc ça m'intéresse d'y aller parce qu'on va pouvoir augmenter nos armes, acheter des trucs aussi, il y a des bonnes armures. Enfin bref, plein de trucs intéressants. Tu vois, elle vient nous parler.
Je te laisse lire. D'accord, pardonnez-moi, je vous mettrai à l'épreuve afin de déterminer si le cercle d'Eden pourrait vous accepter. Et si vous aviez la force d'endurer cette longue et périlleuse voie. Pour l'instant, je te fais démonter. Oui, bon, il semblerait que mes craintes ne soient pas fondées. Torrent, vous avez cerné dès le début. Elle est donc aveugle. Ce que tandis je que moi, je faisais semblant. Il n'est qu'un seul point sur lequel je puisse vous guider. Je peux vous conduire au bastion de la table ronde. On est des chevaliers, Franck. Lieu de rassemblement des champions sans éclat, guidés par la grâce. Des champions, hein. Ouais, enfin, une table ronde, c'est de la merde. Hein. Moi, une table, c'est rectangulaire. Voilà, c'est tout. Allez au bastion de la table ronde. Oui. Fort bien. Permettez-moi de vous de poser mes mains sur vous. L'espace d'un instant. Wow, 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 wow. On n'est pas si intime que ça, quand même. Faut pas déconner. Hein. C'est normal qu'elle mette du temps pour poser ses mains. Ouais, je sais pas pourquoi c'est si long. Est-ce que c'est bien normal, mon cher Jack? Je ne sais pas. Je pense que ça va bugger. C'est pas grave, ça fera une belle vignette. Ah oui, c'est pas con, tu sais, tu nous tournes à côté de la nana. Mais on est bugué? Oui, c'est ça, on est bugué. Je crois qu'il va falloir qu'il le processe. Merde, on est bugué. Attends, bouge pas. Attends, je quitte ça. Gestionnaire des tâches. Ah merde, on a planté les gens. Attendez, on revient tout de suite. Je reviens tout de suite. Ah, attends. Toi qui dois me rejoindre, en fait. YouTube. Ah non, on est de retour. Normalement, tu devrais arriver. Tu devrais arriver. En cours de chargement. Oh, ah, bah voilà. Alors, normalement, attends, je vérifie si ça a marché. Ouais. Ah, mais non, on n'a pas la table ronde. Alors, attends, je vais le lancer tout seul. Vas-y, lance-le tout seul. Ah, allez au bastion de la table ronde. Blablabla. Alors, attends, je lance le dialogue. Elle va me dire fort bien. Permette-moi de poser les mains. Attends, elle va me poser les mains. Regarde pas, Franck. C'est un moment d'intimité. Ah, et vas-y, mets-toi au feu de camp et fais aussi la même chose. On va voir si ça déclenche le script. Attends, je me mets... Hop. Tu fais parler à Malenia. Allez au bastion, pardon, sur le feu de camp. D'accord, une seconde. Alors, attends. Ah, si on peut pas aller au bastion, les gens, ça va... Tu lui as parlé, donc c'est bon. Allez au bastion. Vas-y. C'est bon, je viens de cliquer. Elle va te... Fort bien. Voilà. On va voir si ça marche. Ah. Je crois que ça plante. Comment on fait les gens si on peut pas aller au bastion? Oh pardon, vous êtes en plein stand-by, excusez-moi. Mais ça a planté en fait. Pourquoi? Parce que c'est important le bastion? Bah c'est là où il y a le forgeron qui va upper nos armes. Ah. Mais, c'est de la merde. Ah attends, non, si, attends, j'ai une idée. On refait le TF4, YouTube, je reviens. Je remets pause. J'en arrive YouTube. Oui, YouTube, on a réussi. J'avais oublié YouTube, putain. Oh merde, t'as raté la blague. Oh non, elle était trop bonne. Quoique, en vérité, tout cela me dépasse un peu. Oh, bah, avec deux doigts, ça te dépasse, Eve. Hein. Attends. J'ai pas encore trouvé ma place dans cette histoire. Nous vas-y, non plus. Continue, j'en peux plus. Attends, je continue de parler avec elle. En vérité, tout ça... Ouais, non, c'est bon, on a répété. Alors, en fait, elle est un peu paumée, t'as dû noter, elle est flippée de la vie. Oui, bah, en même temps, je peux pas lui en vouloir, tout le monde veut tuer tout le monde, alors bon... Mais après, on va déclencher la quête et je te montrerai, et après, tu pourras améliorer tes loups, donc garde ton pognon. Alors, il y a lui qui va t'intéresser... Alors, il est où, celui qui va t'intéresser? C'est le mec qui a une roue de moto autour de la... du cou. Allez, il est là, regarde. Une roue de moto autour du cou? Bah, ça ne porte pas d'autre nom. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et ce mec-là, il va te vendre... Ouais, il va te vendre des sorts. J'enseigne des incantations, un puissant savoir que nous tenons des deux doigts. Moi aussi, j'entends les Twix parler, mais c'est parce que je prends de la drogue. Et donc, c'est à lui que t'achèteras tes incantations quand on aura besoin. À ce propos, la voyez-vous toujours, la grâce censée nous guider? Ben ouais, je la vois. Enfin, c'est le machin doré, oui. Ouais, c'est le truc qui fait de la lumière, quoi. Vraiment, excellente nouvelle. La plupart des sans-éclats semblent aveugles de nos jours. Ouais, les gens comme vous se font bien rares, d'accord. Ouais, mais nous, on est clairvoyants. Hein. Alors, Franck, quand tu lui achèteras des incantations, là, l'incantation que tu devras acheter prioritairement, c'est l'incantation... C'est soin d'urgence. Non, c'est soin tout court. Soigne vos alliés proches et vous-même. Vos alliés proches. Ah, alors, en fait, il me manque un point en foi. Alors, ouais, mais après, tu passeras au fur et à mesure, mais après, on pourra venir. Alors, on ira sûrement former des runes à un moment. Tu as pris, tu l'as pris ? Ouais. Alors. Et qu'est-ce qu'il y a ? Il y a soin du poison. Ah, il y a la boule de feu aussi qui va t'intéresser. Boule de feu ardente. Attends, il y a embrasement, projette une flamme depuis la main du lanceur. Ah ouais, mais ça c'est au cac. Une boule de feu.
Et la boule de feu va plus te plaire, je pense. Ouais, ça m'a l'air bien, ça, c'est beau. Alors attends, t'as plus un rond ? Ah ouais, c'est là, grave, c'est pas grave, je vais te montrer comment récupérer des runes avec les runes d'origine. Alors, j'ai pris le truc, mais apparemment, je peux l'utiliser, boule de feu. Oui, tu peux l'utiliser. Alors, je vais t'expliquer comment on fait. Avant, il va falloir que t'achètes un objet ici. On va parler à lui après, t'inquiète pas. J'ai plus d'argent. Alors, si t'as encore de l'argent... Bah, j'ai 400. Enfin, 400 et des brouettes. 400 et des brouettes, on va regarder si ça suffit. Donc, ça, c'est les vieilles. Elles vendent plein de trucs, des armes, des équipements et tout ça, tu vois, plein de trucs très cool. Et il y a un truc que toi tu dois acheter, c'est le seau des doigts, qui coûte 800. Donc tu m'as dit que t'avais pas assez de... 489, attends, le seau des doigts. Alors attends, oui. Donc, okay. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas sortir du marchand, enfin sortir du marchand. Le seau des doigts. Tu vas sortir tes doigts du marchand. Et tu vas aller dans ton inventaire, tu m'as dit que t'avais 400, c'est ça? Ouais. T'as 400. Donc tu vas aller dans ton inventaire. Et dans ton inventaire, tu dois avoir un truc qui s'appelle des runes dorées 1. Alors elles seront tout en bas normalement, tout en vers le bas quoi. Alors, attends, j'ai des pierres explosives, fragments de ruines. Et encore en dessous, t'as une ligne où t'en as 3 ou 4. Et t'as des runes dorées 1, des runes dorées 2, des runes dorées X. Voilà. Runes dorées 1. Alors les runes 2, dorées 1, 4. Elles donnent 100 runes chacune. Donc tu peux faire clic, utiliser la quantité sélectionnée, t'en sélectionnes 4. Et comme ça, tu auras tes 400 runes pour compléter et acheter ton seau. J'ai pas tout compris. En fait, chaque rune... Je peux les vendre directement à lui ? Bah, tu peux les vendre ou les utiliser. Mais l'idée... Mais comment tu fais pour vendre ? Parce que, en fait, je vois acheter ou offrir une perle cinéraire. Non, non. Là, je suis dans ton... Attends, ressort du marchand. Ouais. Donc, en fait, c'est dans inventaire. Inventaire. Ouais. Tu glisses... Voilà, et tu y es, donc là, les runes dorées, t'en consommes 4. Salut Carlou, comment et ça va? Et je fais... Alors, utiliser la quantité sélectionnée ou utiliser? Utiliser la quantité sélectionnée, tu les fais une par une, c'est très chiant. Donc tu la quantité, puis t'en prends 4, vu que c'est 100 par une. Voilà, et normalement t'as 800 et des brouettes, du coup. Et tu vas pouvoir acheter... 1289. Ah oui, ça fait beaucoup. Bon, c'est pas grave. Parle à la vieille, est-ce que tu dois lui acheter? Ça s'appelle le seau des doigts. Le saut des doigts, mais où il le voit? C'est sur la première page. Saut des doigts, c'est troisième ligne, quatrième item. ça ressemble à deux doigts, tout simplement. D'accord, oui, c'est moche. C'est mochissime. J'ai pris. Arrête de te marrer. Non, mais j'en peux plus. Au secours. Ah, il y a ce bouclier qui est pas mal. Il a un truc pour aller. Parce que moi, je suis magicien, mais j'ai toujours pas de baguette. Comment je fais pour obtenir une baguette? Je peux pas. Bon, c'est pas grave. C'est bon, bah, on fera un cours de magie juste après. Et maintenant, qu'est-ce que je fais avec mon seau? Alors, on va l'utiliser. Je vais t'apprendre à l'utiliser. avant, il va falloir qu'on aille parler au forgeron. Au forgelol, d'accord. Le forgeron se trouve par ici. Ah oui, c'est vachement gros. Oh là, mais là, c'est rien. Là. Attends, et puis après, je vais te montrer ton personnage préféré. Moi, en tout cas, c'est mon préféré. Alors, on va aller parler à lui. Ouais. Donc c'est le forgeron. Je ne vous connais pas. Faites voir vos armes qu'on puisse s'y mettre. Alors. Donc c'est lui qui va nous permettre de renforcer nos armes, gérer nos cendres, etc. Donc lui sert vraiment pour tout ce qui est armement. Alors avant de lancer le renforcement des armes en ce qui me concerne, je vais lui parler de Roderica, moi. Ah bon ? La fille que vous avez amenée ici, elle est découragée et sait à peine manier une arme. Ouais, je sais, c'est un boulet. Mais elle est douée en harmonisation spirituelle. J'en ai déjà vu une comme elle, il y a longtemps. Elle avait d'ailleurs le même regard. Ce regard de chien battu. Ça, c'était pas dans le texte. Ouais, à propos des chaînes. Il y a beaucoup des chaînes sur vos chambres. Ouais, il semblerait que vous ayez remarqué mes chaînes. Il n'y a pas grand-chose à en dire. Je suis prisonnier, et ce sont mes fers. Je suis piégé dans ce bastion, condamné pour l'éternité à offrir mes services à des gens comme vous. Ouais, on te paye, hein. Ça va, hein. Voilà tout. Oui. Vous êtes prisonnier? Mais je m'en fous. Arrête, on s'en fout. Non, n'allez pas vous méprendre, je ne vous reproche rien. Non, mais si je suis prisonnier, ce n'est pas de votre faute. Et puis, ça ne me dérange pas de forger. Voilà, un travailleur qui ne se plaint pas. C'est ça, la bonne démarche. Ça, c'est, voilà. Ça, c'est beau, tu vois. Il ça, a un, c'est, vous voyez, il a un bon mindset. Voilà. Il a suivi une formation pour avoir un mindset positif.
Ça, c'est important. D'ailleurs, n'hésitez pas à acheter nos bouquins. Et nos formations. Spiralisme et stratification. L'art d'être heureux quand on sait rien faire. C'est très important. Comment alors, bien vivre avec soi-même. Ensuite, on va. Alors, t'as déloqué ces dialogues ? Oui. Ouais. On va retourner voir Roderica parce qu'on lui a parlé de la fille. Alors, ça, tu vois, oui. Ça, c'est un peu mal foutu parce que du coup, moi, si j'avais pas fait ça en mode random, j'aurais jamais trouvé en fait. Attends, le bastion, comment tu veux le trouver ? En fait, c'est Vogue le Pif. Ouais, c'est ça. En vérité, tout cela me dépasse un peu. Je n'ai pas encore trouvé ma place dans cette histoire. Ah, tu veux lire ? Ouais, et alors là, on lui transmet le message du forgeron. Elle est vendue. Qui dit qu'elle est forte en harmonisation spirituelle. Vous dites que je possède un genre de don ? Je n'en crois pas un mot. Mais... Oh, tu sais, Tom, donnez-lui un César. Si je dispose effectivement de ce talent, et le ciel m'en est témoin, je serais bien le premier. J'imagine que je devrais le développer, non ? Je me demanderai donc à Maître Wig de m'instruire. Certes, il est plutôt intimidant et il n'a que peu d'estime pour les sans-éclats. Mais je sais qu'il est coincé ici au bastion de la table ronde, alors... Oui, de toute façon, toi, tu vis planqué ici, donc voilà, vous vous êtes trouvé. Hein. Je vois qu'au fond, il a bon cœur. Ouais. On lui reparle ? Ouais, ok. Elle est en boucle. Donc là, il faut reparler au forgeron. Tu vois, c'est très intuitif, hein. Attends, t'es où ? Je suis reparti vers le forgeron. Attends, je crois que le forgeron, c'est par là. Ouais, c'est là. C'est par là. Alors là, du coup, on lui reparle. Ah, déjà de retour. Bon, il redit la même chose, lui. À propos de Roderica. Bonne nuit, Joey. La fille, eh bien quoi ? Acceptez-vous de veiller sur Roderica ? Vous avez perdu la raison ? Qui accepterait de rester aux côtés d'un monstre difforme qui ne sait rien faire d'autre que forger ? Alors ça va nous être très utile, mon gars. Donc dis pas comme ça. Hein. C'est absurde. C'est ce qu'elle souhaite. Je refuse d'y croire. Oh, toi tu vas prendre une taloche à un moment. Ce n'est pas que je vous fasse confiance, mais je sais reconnaître quand quelque chose est trop beau pour être vrai. Eh bah putain. Et allez, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On retourne voir la fille. Non, c'est pas vrai. En fait, pourquoi j'ai un logo à gauche ? Ah, c'est quand il enregistre ta progression. Ah, mais il est bloqué depuis tout à l'heure en fait. Ah, bah c'est bon, je crois. Comment ça, il... Attends, on va faire un truc. Affiche ta carte. Ah, je peux pas parce que je lui ai parlé. J'imagine que je devrais le développer, non ? Ouais, ouais, mais répète en boucle la même chose. Tu vas afficher ta carte et tu vas te placer sur le truc de la table ronde et te re-taper dessus. Église de la communion draconique, c'est où ? Table ronde, c'est complètement en bas à gauche. En bas à gauche. Alors, moi, je ne l'ai pas. J'ai Église de la communion draconique. Tu n'as pas la table ronde tout en bas ? Non. Ah, attends. J'ai là où on s'est frité, mais Ah, merde. Grotte marine. Est-ce que tu peux activer le feu de camp qui est ici ? Où ça ? Là devant, là. Est-ce que tu peux cliquer dessus ? Non. Ah merde. Bon, il faudra qu'on essaie de résoudre. On va essayer de résoudre ça en off. Bon bah c'est pas grave. Moi je vais. On va aller voir le. Est-ce que tout à l'heure il te restait des runes ou des choses comme ça ? Tu veux dire du pognon ? Ouais, du pognon à dépenser. Oui. Parce que pourquoi ? Lui en fait, l'idée c'est qu'on va pouvoir améliorer nos katanas encore une fois. Ah bah alors attends deux minutes. Tu parles pognon. L'amélioration ça vaut combien ? Ça vaut 496. 496. Oui, bah je m'en débarrasse de 4, c'est pas un problème. Et merde. Une seconde, Jack, je me suis bourrationné. C'est pas grave. Bon, par contre, moi j'ai pas trouvé de baguette en fait. C'est un peu emmerdant ça. Je vais retourner voir les vieilles. Ah oui, faut que je te montre un PNJ qui va te plaire. Alors attends, parce que tu m'as dit pour améliorer. Le katana, ouais. Tu dois pouvoir le réaméliorer encore une fois. C'est une arme. Ah, le logo veut dire que c'est la zone SF et sans violence, c'est le petit cercle... Ah, bah c'est gentil. J'ai enfin merci, une explication. Merci Jérôme. Bah voilà, c'est bon, je l'ai augmenté. Prêt à tout quand on est bon à rien, c'est vous aussi ? Ouais, c'est nous aussi ça. Alors là, je vais te présenter ton personnage préféré, je te laisse entrer. Là ? Oui. On va faire chacun notre tour. Oh. Bonjour madame. Je t'en prie, je te laisse faire un dialogue. Je te laisse non, profiter de ce moment. Mais c'est pas une madame ? Ah si ? Pardon, j'ai niqué vos livres, je suis confuse. Permettez, je vous présente mon katana. Je t'invite à lire les dialogues et à choisir par toi-même les... Salutations illustres, champion de la grâce. Je me nomme Fiat, ou Fiot.
La circonstance m'ont poussé à rester au bastion de la table ronde. Ouais. Illustre champion, me permettriez-vous de vous tenir dans mes bras l'espace d'un instant? Peut-être accepteriez-vous de partager avec moi une partie de votre vitalité et de votre bravoure? Est-ce que tu veux qu'elle t'étreigne, Franck? Elle va te refiler la syphilis, je te le dis. Ce faisant, j'acquérais la chaleur des champions. On va passer le live en crypté. Tu as pensé à mettre un filtre flou? Parce que... Il s'agit d'un acte sacré. Bah, se faire étreindre, non? Oh, je pense, Franck, je pense pas que normalement t'es censé te douter sur la réponse. Ah, je vous remercie, illustre champion. Ouais, mais comme tout veut me buter, du coup, je me sens un peu mal à l'aise. Oh, je vais avoir la vision extérieure. Un cadin? Faites comme si j'étais pas là. Hein. C'est gentil. Puis ça sent bon aussi. Aussi paradoxalement que ça puisse paraître. C'est quoi, c'est du velours? Oh. Non mais je pose des questions. Je regardais pas. Attends, je vais y parler aussi parce que je crois que ça débloque des quêtes ou des trucs comme ça. Bon, ça va être compliqué les quêtes en multi les gens, mais bon, on essaiera de faire au mieux. Hein. Je continue de lui parler ou pas? Ouais, tu peux lui parler. Moi je vais aller me balader pendant ça. Tu n'hésites pas à lire. Hein. Ah bah elle me repose la même chose. Ouais, non, bon, c'est bon. Après, tu vas voir, à un moment, il va falloir qu'on retourne la voir et à un moment, elle débloque des dialogues. Je ne sais pas trop quand, en fait. Ouais, voilà. Je ne sais pas trop quand. Bon, non, mais c'est bon. Alors, par contre, là, ce qui va t'intéresser, Franck, se trouve ici. C'est quoi? Oh, utiliser une coiffeuse. Modifier l'apparence? Ça va te permettre de te faire une tête de beau gosse. Moi, je vais aller voir si je trouve ma baguette. Je suis chez un vendeur. Il n'y a pas un vendeur ici? De baguette magique. Lui, on s'en fout. Lui, c'est un blaireau. Lui, c'est la foi. S'il y a quelqu'un dans le chat qui sait où je peux acheter une baguette de magicien, parce que pour l'instant, je suis magicien, mais j'ai pas de baguette. Bon, j'ai pas de sort non plus. C'est vrai que du coup, ma carrière est complexe. Hein. Y a pas une baguette ici? Oh, ça, c'est bien. Ça, c'est beau. Armure de chevalier. Qu'est-ce qu'il y a, Franck? Non, rien. C'est tonton, fais pas attention à moi. Ouais, ouais, je devine. Le PNJ, foi, vend pas tout ça. Ah ouais, peut-être, ouais, je vais aller voir. Bonne suggestion de la part de Shazam. On va aller voir ça tout de suite. Ah merde. Il est où cet abruti? Ah, il est là. Ouais, on n'est pas obligé de parler de ça, Jérôme. De quoi? Non, lui, c'est la foi, lui. C'est le curé, lui. Oui, oui, on est au courant. Je sais pas, je verrai. Il me semble que des baguettes, on en lootait sur les mobs. Il est pas là. Ah bah non, c'est après qu'il est là, lui. Ah oui, c'est après qu'il arrive ici. Par contre, tu diras rien, Jack. Je dis rien, j'arrive. Tu sais que tu pourras peaufiner après si tu le souhaites. Alors, sache, au cas où ça t'intéresse, en fait, quand tu construis un visage, tu peux le mettre dans tes favoris et tu peux le charger ensuite. Donc toi, ce que tu pourras faire si tu veux t'amuser, moi c'est ce que j'ai fait, tu lances, avec ton personnage, tu lances ta game. Non, mais c'est bon. Ouais, tu vas dans la coiffeuse et puis tu te fais... Attends, bouge pas, mec. T'es prêt? Ça va être un choc pour toi. Hein. Vas-y. Comment on fait pour l'enlever, cette merde? Voilà. Salut, ça farte. Tu t'es fait loucher? Tu t'es fait Bryce de Nice? Oui! Putain! Alors attends. Ah oui, alors maintenant je vais te montrer comment on fait pour le cœur de dragon. Alors attends, je vais juste vérifier un truc. Attends, je vais voir les vieilles, j'achète un truc et on part. Je vais te montrer pour obtenir ton cœur de dragon. Parce que ça, je pense que tu trépignes à l'idée de l'avoir. T'as vu, regarde, t'as une soupière sur la tête, moi aussi. Oui, mais moi je vais aller me chercher un truc cool. Normalement, c'est ici. Oh, j'ai bien envie de m'acheter ça. À la table ronde. Ouais, ouais. Alors, j'ai combien? J'ai 1700. Il faut. Ouais, ah oui, il faut beaucoup. Putain, j'ai les cheveux bons qui sortent de mon casque. Au secours, Jack. Tu vas voir. Non, mais c'est pas possible. Je suis une ninja de l'amour. Je ne peux pas. Je peux pas accepter ça. C'est pas possible. C'est inadmissible. Je ne peux pas accepter. Pourquoi? Grande flèche. Flèche. J'ai des grandes flèches. D'accord. Vraiment, ça devrait être bon. Oh, je vais être magnifique, les gens, regardez ça. Elle vend rien, elle... Si, si, elle achète, mais elle vend pas de... Vous voyez, elle a pas le truc qui m'intéresse. Moi, je vais acheter ça.
Comme ça, on va pouvoir faire la différence entre moi et Franck de par le look. En plus, je l'ai pas acheté celle-ci. Ah si, je l'ai acheté sur ma partie principale, mais je l'ai pas utilisé. Je te précise, je suis à la table. Hein. J'arrive. Tu vas voir, j'ai un nouveau look, Franck. Okay. Il ne l'a pas vu chez lui. C'est vrai ? Oh, tu l'as pas vu, Jaco ? C'est vrai, t'as pas vu ma coupe ? Bah non. Oh non, c'est nul. Regarde, j'ai acheté, j'ai acheté de l'équipement. Oh putain, tu t'es fait plaisir. Non, je vois pas ta coupe. Bah attends, on va se TP aux portes. Donc tu vois, c'est on va revenir au départ et je vais te montrer comment obtenir un cœur de dragon. Tu vas voir, c'est vraiment une formalité. Mais tu veux pas que je mette... Alors, je vais où ? Aux grottes marines ? Non, tu vas aux portes. C'est un peu plus haut. Alors les portes, pas de soucis. J'y suis. Ok, on y va. Alors, petite question débile, Jack. Sachant que j'ai acheté une boule de feu et que tu m'as fait acheter le truc... On va voir tout de suite comment les utiliser et on va les tester sur les mobs qui sont juste à côté. D'accord. Tu sais ce que tu me fais faire, quand même. Oui, 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 t'inquiète pas, mais j'ai un personnage foi, en fait, moi. Je sais utiliser ce genre de truc. Ah bon, d'accord. Yes, oh, je suis déçu, t'as pas vu ma nouvelle coupe. Attends, enlève ton casque, ça se trouve, là, je vais l'avoir. Ça se trouve, c'est un temps de chargement, tu vois. Ah, alors attends. Je fais ça de suite. Et là ? T'as une petite queue de cheval ? Ah non. Ah, donc, ah non, j'ai les cheveux longs et blonds. Ah, longs et blonds ? Bah non, je les vois pas. Alors, je vais t'expliquer... Alors, attendez, on va dire au revoir à YouTube, parce que là, ça va, sinon ça va saouler YouTube. Hein. YouTube, je vais initier Franck au lancement de sort. Je te passe cette étape. À la prochaine, YouTube.